ça là. Ça. 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 Là. Et là. Là. Ça. Phew. Là. Là. Moi. Écoutez bien. Je venais de tomber endormi sur mon superbe divan qui me permet de dormir avec mon petit coussin comme ça. Je mangeais pas les poils du coussin là. Ça faisait... Ah, oh, j'ai mes doigts devant l'écran, je pense. Ça faisait comme ça. Et tout à coup... Fort, là! Pataclan! Jusqu'à... Ma maison est tentée, c'est pas grave, je continue à dormir. Je vous jure, il n'y a aucune blague, aucune menterie. Dans ce que je dis, j'aurais pu inventer un scénario pour me rendre intéressant. C'est pas du tout le cas. Je le jure sur la tête de Dieu, et je suis croyant. On ne devrait pas jurer sur la tête de Dieu, mais quand on croit vraiment, on peut jurer parce qu'on sait qu'on dit la vérité. Alors, j'étais couché là, et ça, en bas, ça l'a vraiment... Il a comme levé. Je l'ai même pas vu, mais j'ai vu comment elle est tombée. Ça a fait chaud, top. Puis tous les objets étaient envolés partout, comme s'il y avait eu un... J'ai fini par me lever à cause du bruit, puis là, j'ai dit, j'avais envie de... Je m'étais juste réveillé, mais moi, c'est ça, mon sommeil est tellement rare que quand je dors, il n'y a rien qui me réveille. Même ça, ça ne m'a pas réveillé. Mais ça m'a réveillé, mais... Là, j'essayais de me rendormir, puis j'ai dit, ah, fuck, je sais que ça me réveillait. Mais finalement, ça m'a fini par me réveiller. C'était trop bizarre. Là, je me suis dit, bon, je vais regarder, parce que là, je m'inquiétais pas que je sois rentré chez moi. Je m'inquiétais. Que mes objets soient cassés, puis je me suis dit, ouais, dans ma tête, je disais, ouais, l'esprit, là, ou le je sais pas quoi qui me fait ça, là, c'est pas cool, hein. C'est pas cool, parce que tu vas briser des objets extrêmement précieux, historiques. Fait que c'est pas une des cochonneries que j'ai là, c'est des objets qui sont très précieux, et c'est vraiment pas cool, comme ce petit chose-là, ici. Alors, c'est une sculpture chinoise, très antique, en serpentine. Il est magnifique et très ancien. Mon précieux! Alors, en plus, j'avais poli des roches avant de me coucher. C'est une activité pour dormir, pour moi, l'hiver. Je polis des roches et ça me fait dormir, OK? Ça me repose, ça me relaxe. Alors, je polissais ces roches-là. Et donc, elles étaient ici. Alors, quand ça tombait là, puis là, c'est pas une de la roche que là. C'est comme vous avez vu, c'est des sculptures, des snuff bottles de collection. Ici, une qui vaut extrêmement cher. C'est pas juste, elle vaut pas juste cher au niveau de l'argent. Elle vaut cher au niveau historique et artisanal. Elle est toute faite à la main avec des petits morceaux de d'os. Toute faite en os, entièrement, ça vaut environ 400$. Alors, pensez-vous que j'ai pas eu peur que ça tombe sur les roches ici? Et si j'ai un fossile d'ammonite, un fossile d'escargot géant, j'ai différentes sculptures comme ça. Celles en bois, ça ne sont pas brisées. Et puis j'avais ma petite roche ici, qui était dedans. Elle était toute belle, là. Je pense que c'est une serpentine aussi. Une serpentine que j'ai trouvée dans la nature. Et ma petite sculpture de serpent. Ici, très précieux. Bon,
Et bon, le couteau qui aurait pu briser le reste. Le couteau, il n'est pas précieux, là. Donc, on voit même des morceaux ici du bois. C'est vraiment bizarre. Alors, je vous montre, c'est cloué là et là. Et bon, lui, il est vissé, donc il ne bouge pas. Mais lui, il est cloué. Et même à ça, j'ai recommencé à mettre les choses parce que j'ai vérifié la stabilité, là. Bon. Je suis en train de montrer que c'est pas stable. C'est stable au niveau que ça tombera pas à l'avant, là. Ça devrait peut-être y mettre des vis, par exemple. Et là, je me suis dit, peut-être qu'en dormant, j'ai bougé ça ici parce que j'ai vu que mon tableau, il était rendu comme rentré un peu en dedans. Mais même à ça, on voit que ça se rend pas quand que je l'ai remis. On voit que ça se rend pas, donc c'est pas moi en dormant qui l'ai bougé. Et en fait, je venais à peine de m'endormir. Donc, impossible que ce soit le tableau qui a touché. On voit qu'il y a une distance, là. La position, je ne l'ai pas changée, la position des clous. Qu'est-ce qui aurait pu tomber comme ça? Rien. Je touchais pas le mur en dormant. Même si ça serait cogné. Ça serait cogné d'abord sur le tableau, puis c'est pas... ça cogne pas fort, là, c'est mou. Alors, je vois pas. Il n'y a pas personne dans ma maison. Il n'y a pas eu de coup sur le mur. Ça a tombé, paf! À moins que ce soit le mur qui a craqué à cause du froid. Cette nuit, il a fait froid. Ça peut arriver. Alors, ça, c'est quelque chose souvent que les chasseurs de fantômes ne passent pas quand ils vont dans des maisons pseudo-hantées. C'est les changements de température de nuit. Alors, ils disent, ah, c'est la nuit que ça fait le plus de craquements. Bullshit. C'est parce que la nuit, la température descend assez très rapidement. Donc, ça fait craquer tous les murs là, qui sont bâtis la plupart sur du bois. Là. Donc, c'est normal qu'il y ait des craquements sur le mur et parfois même, ça peut faire tomber des objets. Alors, soit c'est ça, soit que ma maison est véritablement hantée. Moi, on va dire que c'est le mur qui a craqué. De toute façon, je n'autorise aucun esprit à venir me niaiser ici durant mon sommeil, précieux sommeil. Ensuite, je suis malade, donc il faut absolument que je dorme. Si je dors pas, je suis encore plus malade. Ah, c'est le bordel, hein. Oh, mon Dieu. Mon super divan tout en bordel. La poussière en tour. J'ai passé le balayage, ça paraît déjà pu. Donc, c'est le bordel dans mon magnifique salon qui était tout rangé hier. À cause des esprits. Alors, après ça, j'ai été me coucher sur mon lit. Et c'est là que j'ai vu que j'étais malade en me réveillant ce matin, si j'avais de la misère à l'esprit, j'avais du liquide dans ma gorge. Alors encore des résidus de je sais pas quoi, là, de pneumonie, je sais pas quoi. Ou c'est lié aux pierres que j'ai sur le foie. Oh, j'en ai aucune idée. Ben, j'avais de la misère à l'esprit, ça s'y liait comme une bouilloire. Puis le cœur, il me battait. Je faisais de la tachycardie. J'en fais toutes les nuits, fait que ça, c'est pas grave. Tu sais, à un moment donné, quand tu es habitué, c'est comme les maisons qui bougent, les objets qui tombent. Je suis habitué. Ça me fait toujours ça ici. Ici, c'est automatique. Même dans les autres loyers que j'ai eus, il y a tout le temps des trucs qui tombent à quelque part. Puis j'ai tellement de bibelots, je me dis, bon, c'est peut-être normal. Bon, la pile va être bientôt épuisée, alors je vous laisse là-dessus. Prochaine vidéo, ça va être sur les pierres. Alors, je vais vous montrer justement les pierres que j'ai. J'ai une belle grosse collection. On va faire le tour de tout ça. Et ça va être ma prochaine vidéo. Alors là, je vais charger ma pile. Et je vais peut-être faire ça tantôt, mais j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Alors, je sais pas. Je vais prendre mon café et je vais penser à ça. Et j'espère que ça ne vous arrivera pas des choses de même durant votre sommeil, juste parce que vous regardez cette vidéo. On ne le sait jamais. Vous pourriez être hanté maintenant. Je sais pas, il y en a qui disent qu'il y a des vidéos qui attirent les esprits. Les vidéos hantées, ça a l'air que vous regardez ça, puis après ça, vous êtes hanté chez vous.